Et salut à tous! Salut YouTube, ça y est, c'est enfin la dernière, enfin pour certains, finalement, peut-être déception pour d'autres, dire bah ça y est, c'est la fin. On va terminer ce championnat de France 2023 duel commandeur. Du coup, bah, si vous avez suivi un peu, vous connaissez le match-up, hein, on va repartir avec Maxime versus Alexandre pour vous réexpliquer pourquoi il y a un rematch. C'est pas qu'il y a eu une erreur et qu'on doit relancer le BO, voilà, il n'y a pas eu d'erreur, Il il y n'y a a eu pas eu de triche. triche, il n'y a rien eu de tout ça. Alexandre Haber était issu du winner Winner bracket, bracket. Maxime du loser bracket. Donc Alexandre n'avait jamais perdu de BO dans le bracket. Et comme on est en double élimination, il faut perdre deux BO pour être sorti du tournoi. Maxime a déjà perdu un BO, il a gagné ce BO, les deux se retrouvent à égalité, ils ont une défaite chacun dans ce bracket. Et ben on est reparti. Et C'est on ça. inverse le toss, tout simplement. Donc là, le toast ira pour Maxime, je crois. Si sur le Je sais, premier. je me Non, mais suis. non, Maxime, Ah. il avait le toast déjà sur le premier BO. Ok. Vu qu'il était, lui, il était dans les quatre premiers issus des rondes. Donc là, normalement, c'est si les gens ont bien fait les choses, on avait transmis les infos, c'est Alexandre qui prendra le toss sur ce BO. L'enjeu, il n'est pas compliqué. Un titre de champion de France. Voilà, tout simplement. Un tapis foil de fou furieux. Alexandre, il l'avait pas vu avant. Bah, voilà. Les deux l'ont découvert. Ils ont dit, bah, vous êtes des malades. Ouais, très bien, merci. Ouais. On n'a pas accepté le pins à 400 balles. Je ne sais plus combien de carats que j'avais en projet. Ah oui, non mais ça. Il y avait la chevalière qui était pas mal aussi Camille Ah mais derrière. chevalière, c'est compliqué. Ça Oui. dépend de la taille du doigt. Alors que le Oui. pins, C'est pas la petite surtout. médaille, bah voilà. Bah, t'as beau avoir un triple XL ou un S, c'est pareil. Hein, ça fait pareil. Tiens, bah, par Un exemple, sac banane. j'allais te dire, s'il y a dans les commentaires, si vous avez des idées de dire, bah, tiens, un truc qui soit un peu en dehors de Magic, mais qui serait une sorte de marqueur de réussite, qu'est-ce que vous verriez, à part au-delà, ouais, d'une chevalière, d'un pins un peu quand même smart, hein, on n'est pas 1 sur un million truc. d'euros. Alors le cash prize, c'est une piste, mais il faut voir légalement comment on peut mettre ça en place. On Faut s'y organise le trouver. tournoi aux Non, mais US. je sais pas, une paire de chaussures. Bonjour, j'ai les chaussures du champion de France. Voilà, j'en sais rien. Enfin, C'est des idées comme ça des de goodies, en fait, pas de goodies, mais de R marqueurs de à verre. réussite. Ouais, les RABER. Voilà, si vous avez des idées comme ça, même de goodies pour les tournois, dire bah tiens, moi j'aimerais bien arriver sur un tournoi et me dire bah tiens, au-delà, bah il y a eu un token, j'ai un stylo, des calepins un peu nouveaux, j'en sais rien. Moi, si vous avez des trucs, on est en train de faire toutes les pistes justement pour ça pour l'année prochaine. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les transmettre. Yes. Allez, on va s'y jeter. On va s'y jeter du coup. Bon, ça shuffle de toute Donc on l'a vu, façon. hein, le premier BO très disputé, hein, malgré Oui. un mulligan 5. Et d'ailleurs, ne quittez pas la VOD à l'issue du BO. On aura un petit temps avec Maxime Morillon, qui nous a fait la gentillesse, qui nous fait la gentillesse de nous accompagner et de discuter un petit peu avec nous. Ses ressentis sur cette finale, sur le tournoi, sur le week-end, sur l'ensemble du circuit. Il va passer un peu de temps avec nous. Il n'y aura pas Alexandre, on l'a contacté. Il s'est gentiment excusé et on l'excuse. Il a un mot. Il a un mot et il n'était pas disponible pour cause de travail. Il travaille énormément en ce moment, m'a-t-il dit. Et donc, du coup, il n'était pas forcément disponible. On est sur un shuffle. On regarde là du côté de Maxime. On se dit, ouais, on a de la route derrière. C'est vrai que du coup, on est sur la septième ronde pour Maxime. Il commence à fatiguer hein, de toute façon Donc ça veut dire là. oui, 15-16 BO dans le week-end. Et là, on se dit, c'est le dernier. Et il y a peut-être un phénomène psychique déjà. Des fois, quand tu arrives à la fin, tu es pressé d'y arriver à la fin, justement. De se Mais dire, allez, tu c'est bon, on en a donné. t'en as marre. Mais c'est un objectif. Sans vouloir tuer les gens, je voulais épuiser. Dire, le champion de France, il doit sortir lessivé, de se dire, lessivé et satisfait. Dire, voilà, j'en peux plus. Mais je suis allé la chercher, j'ai été jusqu'au bout. Maxime, Alexandre a un avantage par contre, hein, sur ce Il BO en a termes de joué, fraîcheur. il a deux BO de moins de Dans les jouer, pattes, donc ouais. Et ça joue énormément. Mais Il parce a pu qu'il a prendre été l'air. trop fort. Ah, il a été bibetteur. Et puis il arrive dans un top. Déjà, il arrive dans un méta ultra contrôle avec son pack. Et il arrive dans un top 12. Alors là, c'est la foire au contrôle. Ça, donc là, il se balade, entre guillemets. Il s'est un peu baladé dans le BO. Mais Grand Max, qui est le premier à juste déjà Lui lui enlever un faire. BO, c'est le deuxième du week-end complet. Hein. Lui enlever un BO et dans le top 12, c'est le premier déjà à juste avoir marqué un match contre lui. Ah, il Pas est seulement un en BO. 2-0 à chaque À fois, 2-0 Alexandre. à Ah, chaque j'ai fois, pas Alexandre. l'historique, je l'ai plus mis en tête. Et il a 2-0 tout le monde. Sauf du coup, bah, Max qui arrive à lutter et qui arrache même un BO. Donc, Giga Déjà, Chad. ouais. Déjà satisfaction. Et du coup, vous l'avez pas vu, mais vous pouvez le voir sur le live, il y a eu split des Il y dotations. a eu café pour Il y a eu Alexandre. café, il y a eu split des dotations du coup entre les deux BO parce que du coup Alexandre a refusé le. Ce qui s'entend, il a une cartouche d'avance. Bah, il dit bah non.
Par contre, il y a eu renégociation du coup entre les deux BO. Là, on se retrouve vraiment à égalité. Et c'est vrai que du coup, ils n'arrivent pas sur le même pied d'égalité. Oui, c'est vrai qu'Alexandre, il a déjà un BO d'avance. Pourquoi accepter tout de suite ? C'est-à-dire, je peux faire le jackpot direct. Donc bon. Et du coup, il y a eu split accepté après derrière. Donc Maxime, pour aller chercher le split, il a fallu déjà s'employer. Il s'est bien battu pour. Allez, là, c'est bon. Allez, une étape de fête, maintenant, c'est du bonus. Maintenant, c'est pour la fame. Et ça keep 7 de deux côtés. Et c'est bien Alexandre, du coup, qui prend le toss avec un des starters, Creeping Tar Pit. On a Counterspell du côté de... Enfin, de Hub, du côté et de... on répond avec un Fetch du pauvre. Oui. Grève inondée. Non, c'est pas grève inondée, c'est... Oh, je sais plus comment s'appelle celle-là, c'est la bleu-blanc, ouais, mais... Bad River. Ah non, c'est Bad River, c'est bleu-noir, celle-là. Ah. La mauvaise rivière. Un petit fetch et on y va. En early, surtout dans l'étape. Bloodshifters. C'est pas fou contre Leovold. Parce que non, pas des masses. C'est un CCM3, c'est le pire truc hein, pour. Bah, ça gère Deathrite ou Strix. Ouais, ça va bien gérer ces petites choses. Mais s'il y a Leovold, de dire. Deathrite, c'est bien géré. Oui. C'est une bonne chose à tirer, Gats, mais bon. On a un fetch et j'ai l'impression qu'on a répondu au fetch du côté de Maxime. Oui. Est-ce qu'on aurait un Taizen ultra agressif? C'est vraiment pas impossible parce que il aime bien faire ça. Ah non, ça va résoudre du coup. Ok, ça résout quand même. Mais alors pourquoi Mersout tout de suite Pour justement tourner autour du Taizen en face. Ah oui, parce qu'on est en fin de tour de Maxime surtout. Oui. Non, fin de tour de Alexandre. Non, de Maxime, oui, tu as raison. Il a profité du fetch d'Alexandre pour fetcher sur le sien. Ah. Il a du coup 2 mana up pour pouvoir. Il a Counterspell en main d'ailleurs. Bon, je pense pas qu'Alexandre en vienne s'empaler dans un pour 3 Leovold et se dire j'ai gratte un contre parce que ça. Il a une force of will, mais est-ce que ça va être suffisant? Ouais, le forcer, ouais, faut voir. Après, Alexandre est un. Enfin, là, peut-être qu'imaginons il a un Daze en main, il peut. Hein. Alexandre, il joue assez agressivement. Bah, s'il a les réponses, non. Ah, il a Veil of Summer. Il a Veil of Summer, par contre. Donc, ouais, ça joue. Ouais. Sing Twice qui pourrait se faire empaler sur Orkish Bowmaster ou sur Ulbrecher. Sachant que là ce serait vraiment le drame parce qu'en plus on aurait du coup un trésor et donc au moins un mana donc, avec Veil of Summer 2. Genre ça aurait été un peu la teuf. Land go, ouais. Du coup, je pense que du côté d'Alexandre, on va peut-être caster ce Leovold. On a une discard. Ah non, on va discard d'abord. Là c'est la barba teuf. Du coup, si Max fait Counterspell dessus et qu'il prend Veil of Summer, il explose. Et nous, on va accepter. Hein. On a push. Alors, on a push pour. Ah, il y a le Breacher. Et on a le Breacher, ouais. Du coup, je pense que ça va être le Breacher qui va être discard là-dessus. Bah oui. Parce que. On va moins facilement le gérer. Ou alors. T'enlèves le push. Non, push, c'est vraiment le mieux à laisser, je pense. En fait, ça joue entre Counterspell et All Breacher. Parce que push, même s'il est casté sur les Vold, ça va piocher une carte, donc ça va recycler. Alors que Counterspell, ça va pas être le cas. Et le Breacher, ça va annihiler un peu notre plan. Du coup, je pense plutôt que ce serait le Breacher qui devrait. Ou alors Alexandre, il pète un plan et il donne une cible illégale, il est nomme Jace. Ouais. Voilà. Ce serait stylé en vrai. Je pense qu'il prend juste un warning et un rollback parce que. Exactement. Ah, j'ai eu peur. Mettre Jace de sur le côté, j'ai eu peur. Ok, toutes les cibles légales sont mises au centre. Donc Bluetooth Thirst, Counterspell, Fatal Push et All Breacher. Alors, évidemment, après, s'il a un Abrudiqué ou un truc comme ça en main, il peut se permettre de laisser le Breacher. Mais ça va être plus technique pour jouer contre. Ouais, en effet, je pense que t'as raison, ça va se jouer entre le Breacher et le Counterspell. Allez, phase de réflexion pour Alexandre. Qui a un Toxic Déluge en main d'ailleurs. Ouais. Est-ce que c'est pas le moment de le caster à X égale 0 voilà. Peut-être. Et de se faire punir sur Parlax, qui est tout deck. Allez, ouais, c'est le Breacher. Pas trop le choix de dire oui. Et on dit fin de tour. Est-ce qu'on va fetcher fin de tour quand même? Ouais. Ouais. Bon, je pense pas qu'on s'en parle avec sur le Breacher. Je suis plutôt perplexe en vrai sur ce fetch. Il veut peut-être Sing Twice. Alors il n'y a pas besoin parce qu'il y a Urborg en jeu. Et, oui, c'est vrai. C'est pour ça en fait. Il peut garder son fetch. C'est un bleu. Non, c'est un noir. Et du coup, pour moi, c'était vraiment important de garder ce fetch parce qu'il permet du coup de garder push de up
Et Alexandre en connaissance de cause. Bah oui, c'est vrai, en plus, il a un Jace, il se dit, si à un moment donné, j'ai besoin vraiment de fetcher, de cycler des cartes que je veux plus voir. Ouais. C'est en fait, quand j'ai joué Airtail là, le week-end de OFACT, j'ai essayé vraiment de garder mes fetch le plus longtemps possible pour justement ces corner case à base de brainstorm, push ou autre. Du moins, c'était un truc que je faisais pas souvent quand je jouais contrôle, parce que je jouais quasiment jamais contrôle, et puis je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal de faire ça, et effectivement, ça m'a assez reward. Alors, un Leovold T5, c'est un peu un classique, parce qu'on a deux mana up, on sait que c'est pas mal, il y a pas mal de cartes gratuites ou qui coûtent très peu cher. Donc là, ça va être Counterspell du côté de Max. Normalement, c'est on a du coup notre Veil of Summer de up, on connaît la main adverse, donc c'est plutôt la teuf. Veil of Summer. Veil of Summer, et là c'est le drame. Et là, je pense. On va peut-être chercher Misstep. De toute façon, il n'y a pas le choix de le faire maintenant parce que sinon, quand il y a Léovold qui sera en jeu, ce sera vraiment dramatique. On a Misstep. Il a pioché Misstep. C'est beau. Il est très fort ce grand Max. Je rêve, j'ai l'impression qu'il a remis 3 cartes au-dessus. Non, je crois pas. C'est juste qu'il a des grandes mains. Misstep pour 2 mana. Prend pas de Daze. Il prend Force of Will par contre. Par contre, il va peut-être forcer la fin. Après, il se met un peu tout nu, Alexandre. Sur ça. Ouais, après, on est obligé. Ça veut dire que Maxime doit taper 4 mana pour jouer un Blue Shifters pour gérer son RTA. Ou alors un Jace, -1. Ouais, mais ça veut dire qu'il pioche et. Dans les deux cas, il pioche. Il y a un Creeping Tarpit aussi en jeu du côté d'Alexandre. Ah oui, c'est vrai. Du coup, Jace serait trop. Jace, c'est une brique maintenant, ça me fait de la peine de le dire. Mais... On avait Dicket du côté. Enfin, en main du côté d'Alex. Après, je pense que c'est vraiment pas déconnant de Force of Will là dans le spot. Parce qu'on accepte le. Il a une deuxième carte bleue au moins Peut-être. Bah oui, celle de gauche peut-être, mais les deux autres, j'ai pas l'impression. Vu qu'on a indiqué, il se retrouverait à 2 cartes en main. Indiqué. Il s'est fait indiquer. Et on y va. Je pense qu'il y va. Ah, par contre, je sais pas ce que c'est la deuxième carte de la pitcher. Parce qu'en fait, en plus, on a la pioche du Veil of Summer qui est quand même assez importante. Oh, pitch un Snapcaster quand même. Ça reste ok. Snapcaster, c'est très mana fort. On a encore une réponse du côté de Maxime. On a qu'un seul mana lourd de l'étape. Je pense qu'il. Mestmar. Non. C'est bah oui. C'est payé. Mestmar, c'est payé. Ouais, donc ça va résoudre. On pioche sur du coup. Ah oui, c'est vrai qu'on pioche sur Veil. Et on va avoir Léoval qui résout. On n'est pas si mal que ça du côté d'Alexandre. Et là, on a pioché Spell Pierce. Et c'est explosion de saveur. Bon, c'est à peu près sûr que Max va partir sur Blue Chiefsers. C'est trop risqué, Jace. Ou alors c'est vraiment le donné. Ou alors il joue pas, il attend. Il a un Sing Twice au cimetière, il a le droit de piocher une carte pendant le tour de l'adversaire. Il se dit, bon, j'attends et j'essaie de gérer ce qui est autre chose. C'est une option. Sachant qu'on peut jouer Airtail de manière vanille et voilà. Okay. Mais on s'expose à un contre très fortement. Il a Remand. C'est pas évident comme spot. Et on part sur Jace. On part sur Jace, ok. On l'expose du coup à Creeping Tarpit. Ouais, mais ça, il se dit peut-être que ça va l'obliger à faire un tour un peu vite s'il fait ça. C'est un peu ça. Je pense que si on fait ça, c'est un -1. Ouais, on c'est pioche. En fait Jace. Il est en main. Ouais, parce que s'il veut gérer le Jace, il est entre guillemets un peu obligé de jouer avec Creeping Tarpit. En vrai, il y a un monde aussi où juste Alexandre reslam Léovold et puis. Mais tant pis, ton Jace, il est bien. Hein. Après, ça veut dire quand même que Maxime doit faire son Blue Shifters. On a 3 manas d'étape du côté. Ouais, donc. Ok, il va juste le slam. Là, sur ce choix-là, je pense que c'est parce que. Alexandre doit avoir un contre en main. Parce que sinon. Parce que Max, sinon, lui, il peut juste faire Blue Shifters, gérer Léovold. Et après, il peut résoudre son brainstorm qui sera efficace. Donc, on a sûrement un contre. Ouais. Sinon, il aurait sûrement fait le choix d'attaquer dans. Ah non, on a une clique. On a une clique, donc on peut faire fin de son étape de pioche. Clique et aller fouiller un peu ça. Est-ce qu'il va y aller sur cette clique? Ouais. Il va même avant. Il va à l'upkeep. Il va à l'upkeep avant la pioche. Alors, Maxime peut remand.
Il a le droit. Qui serait un... Ah ouais, mais non. il sauterait sa phase de pioche. Oui. On continuerait de faire du CA du côté de, du côté d'Alexandre. Hein. Et accessoirement, je sais pas si Max a le 4e, enfin le 6e land du coup. Oh, pour 4 hein. Pour 4. Qu'est-ce qu'il a comme Airtaille. Airtaille, oui. Airtaille contrée, ça permet de. Ah non, détruire les Ovals, ok. Ça se tient. On pioche. Ça se tient. La faux est déjà passée, donc normalement. Oui. Et Airtaille a déjà résolu, donc. Ouais, voilà. Ça aurait pu être des. Oui, c'est vrai, j'ai vu qu'il l'a déjà résolu. Et il pioche à nouveau sur Airtaille. C'est vrai qu'Airtaille contre le vol, tu en fais tellement piocher l'adversaire du coup. Oui, c'est un peu le drame là-dessus. Tu gagnes très difficilement la bataille de Card Advantage. J'ai vu un Archmage Charm, un Ice Tunnel, je crois. Du coup, le Blue Chief Thirst. Ouais. Il a et une carte inconnue. Il a toujours son push, je crois. Mais il a plus de fetch. Mais il va pouvoir brainstorm ce tour-ci. Oui. Donc ça va, c'est pas non plus une catastrophe. Après. En sachant qu'il va pouvoir brainstorm, est-ce que du côté d'Alexandre, on se dit pas, bah garde tout. Et moi, j'ai l'info sur celle-là. Mais vu qu'il y aura un brainstorm, est-ce qu'on peut pas enlever quand même une carte? Peut-être. Oui, d'ailleurs, c'est le push qu'on voit en fait tout en bas. Mais, ouais. Donc je pense que ça va être le Blue Chief Thirst qu'on doit avoir au-dessus. On renote les cartes du côté d'Alexandre. Bah c'est le Raymond. Ouais, il doit y avoir Raymond, Blue Chief. Bah ça va être Raymond, Blue Chief, Ice Tunnel et Archmage. Archmage. Ouais, c'est un Archmage en troisième. Si, il est tout en bas. Ah mais là t'as nommé 4. Ah oui, je sais pas, il doit être au-dessus de la bibliothèque, il doit y avoir un des. Enfin j'ai l'impression que c'est un Ice Tunnel tout en haut. Là, ça y ressemble. La caméra. Et on envoie push en dessous. Là, ce qu'on se dit sur un brainstorm, on récupère. Ouais, on aurait perdu trop de value hein, avec le Léovold. Allez. Plus 2. Ah non, moins 1. Moins 1 encore. On continue à bloquer ce genre l'agression. Different tour. Des gros play tempo. On n'a pas de. Enfin, on a le Remand en main. Et c'est tout. Ok. Ouais, on va aller finir sur Jace. On part là-dessus. C'est bien pour ça, c'est sûrement pour ça qu'on a enlevé le push d'ailleurs. Ah, ce Jace qui aura fait 2 boons et provoqué une attaque à 4 mana. Oui. C'est pas une catastrophe, c'est pas fou non plus, on a connu mieux. C'est vraiment pas fou. Est-ce qu'il pouvait espérer mieux de ce Jace? Là, les sampales, enfin, les slam et les vols me paraît un peu. Il coûte 5, donc je dis de la merde. Allez, on dit fin de tour du coup, on garde un peu d'interaction. Après, là, on est face à un board vide du côté d'Airtaille, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, ouais. Et l'Eovold qui commence à coûter 5, si on arrive à le gérer une autre fois, l'Eovold à 7, ça commence à faire trop cher pour lui. Et plus ça valait, normalement, les contres de l'Eovold sont supérieurs à ceux de. Les contres d'Airtaille. Les contres d'Airtaille sont supérieurs. Techniquement, j'ai envie de croire que le late est pour Airtaille. Mais bon, il peut y avoir. Il peut et y vu avoir que la bataille de CA est compliquée à faire. Ouais. Et fin de tour, on repose une pique, hein, tout simplement. Et on va remand. Voilà. Joli play tempo, du coup, parce qu'on va pas perdre de cartes. On va bloquer encore 3 ressources. On continue de creuser dans des options. Ouais. Je crois qu'on a toujours Sing Twice au Yard. Ce serait pas mal, du côté d'Alexandre, de Maxime, de trouver un gros piocheur à 4. Ça pourrait être vraiment déluge de mémoire, notamment, qui permettrait d'être flashback. On a toujours le Sing Twice au cimetière, hein, qui peut apporter une petite carte. Oh, One Ring. The One Ring. Profitez-en, s'il touche la table, ce sera la dernière fois que vous le verrez, une des dernières fois que vous le verrez, selon le BO. Et aussi du format. Oui, il n'a pas fait long feu et c'est tant mieux. Parce que bon, en moderne et en legacy, il est joué. Et en legacy, il est joué notamment parce qu'il peut s'activer à l'infini. Ah bah c'est bien. Avec Paradoxical. C'est bien comme jeu. C'est rigolo. Ah ouais, on s'éclate. Hein. T'imagines en vintage? Tu peux le faire tour 1. Tu peux le faire tour 1. En legacy aussi, tu peux, mais... Mais Vintage fait tout. Alors le One Ring. Eh ben c'est joué. C'est joué en tout cas. Il faut peut-être se bagarrer un peu quand même dessus si on peut. C'est vraiment la bombe. Hein. Archmage Charm. Alors normalement on avait l'info du côté d'Alexandre. Est-ce qu'on avait anticipé ou est-ce qu'on l'a bait justement? Oh, je pense qu'on a anticipé. Mais on va contrer. Avec un Drone in the Lock. Drone in the Lock, ouais. Du coup, et il arrive. Paf, on pioche.
pas le temps de niaiser. On en profite qu'on risque, enfin, on diminue les chances de se faire couper par Orkish Bowmaster. Parce que n'oublions pas que Elbrecher est déjà passé via une inquisition de Kozilek. Oui. La bibliothèque a pas été shuffle depuis? Non, il y a eu inquisition de Kozilek qui a défaussé le Elbrecher de. Ah, il a été défaussé celui-là. Non, ouais. J'étais sur une clique qui a été mise en dessous. Rien à voir. Ce qui était mis en dessous, c'est un poche. Faire Vedalken. Ok. Alors ça peut être pénible quand même. C'est très fort. Le problème, c'est que il y a Abrupt Decay dans la main de Alex, hein. Et du coup. Je pense qu'il va même pas s'affoler de le jouer maintenant. C'est vraiment pas impossible parce que ça fait dépenser 2 mana au coup. Potentiellement une pioche si on contrôle les Ovold. Bah oui, c'est pour ça. Du coup. Il va le faire tout de suite. Oui, on en a rien à foutre. Ah, l'opti. Si, en vrai, ça reste opti, mais c'est que voilà. Nous, on cherche des trucs alambiqués, et puis non, Alexandre. L'efficacité pure. C'est ça. De toute façon, c'est German, c'est Dutch Kalitzad, voilà. Voilà, le One Ring qui va tourner, qui va passer le tour, on peut quasiment considérer qu'il y a 1-0. Parce que... Assez horrible. One Ring. Allez, on fetch tout de suite. Bah, clairement, tu gagnes difficilement la risque. Il reconsidère peut-être l'action. Moult mana, on pourrait juste slammer Léovold avec encore 4 mana up. À noter qu'on a 6 cartes au yard. Oui, parce que j'attends de voir ce qu'il a le terrain céphalide. Ouais, il a céphalide Coliseum. Donc, est-ce qu'il va le garder à côté de lui quand même? Il va se dire, ouais, ça pourrait être une option. Est-ce que justement il a ce fetch? Ça ferait 7. Il y a moyen d'opti. Hein. Il a combien de cartes en main Maxime, j'ai l'impression qu'il y a moyen de. Ah, il a payé avec son fetch. Ouais. On va jouer du coup ce Léovold. On va tester. Je crois pas qu'on ait de contre en main du côté de. Il arrive pas à récupérer de la carte. Ouais, il piège pas assez là. Ah, il a pas fait Sing Twice sur le tour. Bah ouais, je suis étonné. Hein. Je pense qu'avec la fatigue, il a zappé. Ou alors peut-être qu'on avait oublié de. Enfin, peut-être qu'il l'a déjà recasté. On a peut-être zappé. Hein. Peut-être. Peut-être que c'est la faute du cast. Ne nous en voulez pas. Mm. Vous pouvez surtout en vouloir à la caméra qui a décidé de s'arrêter. Voilà, c'est bon, ça allait de retour. Oh, ça va, c'est Artaï, on rate pas grand chose. Ouais. Voilà, il y a eu une minute qui s'est passée, il n'a absolument rien fait. Creeping Tarpit, ok. Ah, ça c'est bien. Attention à ne pas se retrouver bloqué aussi quand même avec cette. Ah oui, c'est vrai que voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le portable de Zeus qui faisait office de partage de connexion est tombé et de compteur de points de vie est tombé en raccord de batterie, alors qu'il était branché quand même. C'est une fournaise, le machin, et du coup, je suis arrivé pour le remplacer. Allez, Blue Chief Thirst, non, oui, c'est de toute façon c'est. Mais la connexion est meilleure, la qualité est meilleure du coup. Blue Chief Thirst, donc on va piocher. Ouais, draw. Memory Lapse, waouh! Horrible sur ce spell. Strix pour le repiocher. Bah, ne pas piocher surtout. Ah oui, bah oui. Mais on a du contact mortel. Là, vu la situation, Maxime, il a pas trop le choix de se dire bah faut que je joue la race et espérer que par un miracle ce One Ring punisse mon adversaire. Mais ah, me voilà. En train de compter un peu au niveau de peut-être justement des nombres de tours qu'on a. Est-ce qu'on va pas surconsommer ce One Ring? Attention. On a pris les 3. On prend 2. On prend 2, le pied. Et là, on slam une Shouldred et c'est le sexe. Ouais, mais il a un DT. Il a un DT, ouais. Ça a l'air un peu fort. Et Maxime qui n'a plus de cartes en main. Ça va être... ouais, et voilà. On va scoop, ouais, voilà, il a compris. Ça va être compliqué. Ou alors Alexandre lui a dit bon, je vais chercher Shouldred. Ah, très bien, super. Je vais chercher Shouldred, je la joue. Bisous. Bisous, je m'envole. 1-0 pour Alexandre. Est-ce que Maxime... ça va faire la même chose que la game d'avant? Est-ce que c'est Grand vrai que sur le BO d'avant, ouais, il a réussi à la remonter. Ouais. Grand Max va peut-être nous faire une remontada. On va bien voir. À nouveau au pied du mur.
Mais c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur, quand même. Et ça, faut se le dire. Mmh. Un petit page shuffle, c'est toujours un plaisir. Toi, là, c'est bon, t'as ton instant de saveur, là. Ah ouais, là, c'est mon instant de saveur, ouais, ouais. Ouais. Tu kiffes. Ouais. Alors... Pour faire des piles de terrain, quand même. Mais non, regarde, ils font pas de manades, les joueurs, là. Et ils piochent des cartes actives. C'est vrai. Du coup, c'est qu'ils ont peut-être raison. Non, non, j'y crois pas. Le truc, non, arrêtez. Si vous voulez faire des pâtés, allez à la plage, quoi. Faire des pâtés. Je vous ramène un sou, une pelle la prochaine fois. Ouais, vous ferez des pailles. Ah, évidemment. Le petit pissou. Non, je crois que c'est juste détendre des épaules, non Ah, si, quand même. Allez, allez, on y va, allez, on y va. On se respecte. On respecte sa propre vessie. C'est la dernière. C'est vrai. Ça peut être le dernier pipi. Non, de toute façon, il le fait qu'une fois par BO, je crois. Oui. Oui. Donc, c'est le dernier pipi. Le dernier pipi du week-end à Châteauroux. Ah, ou peut-être avant de prendre la voiture pour rentrer. Quand même. Ouais, voilà. Conseil, toujours aller aux toilettes avant de prendre le volant. Non, non, mais c'est vraiment un conseil de sécurité, hein, et de santé. En cas d'accident, tu peux avoir une explosion de vessie. Ouais. Je te laisse imaginer comment tu meurs dans ton pipi. Hein. Ah, ça, c'est l'instant sécurité routière. Ça. Rouler à 200, mais avec une vessie vide. Et encastrez-vous bien dans des murs, mais avec voilà. Une vessie vide. Avec une vessie vide, ouais, voilà. Ouais, c'est votre problème. Moi, je vous ai donné un conseil sur la vessie. Hein. Le reste, c'est pour mourir avec mon problème. Quoi, ouais, voilà. Quand même. Très bon. Maxime est en train de se dire, c'est quoi la meilleure main contre Léovold? Bah, je pense que c'est Koubé. Hein. Exactement. En vrai, est-ce que c'est pas une main full bleue? Moi, je pense surtout qu'il est en train de se dire, putain, j'ai envie de rentrer chez moi. Je vais me barrer, moi, j'en ai marre. Mais je crois en plus qu'il m'a dit un truc comme ça à ce moment-là. Ah, je suis un peu plus. Et il me faisait, moi, je suis lessivé, genre, j'ai envie. Parce que moi, je suis à côté en train de d'essayer de remettre le téléphone, mais télécharger l'appli de The Oz. Bon, au moins, l'avantage, c'est que là, tu repars avant. Là. T'as pas besoin de regarder les papiers, l'histoire. Voilà, c'est ça. Je crois que j'arrive, je vois cette game, enfin en tout cas une partie. Oui, t'arrives vers la fin. Ouais. Et mon coloc devait filmer la... Enfin, c'est parti. Ouais, sur la fin du truc, au cas où, si jamais ça pouvait tendre à se gagner. Ouais. Et genre, ça avait l'air de pouvoir bien se goupiller pour que ça se termine, et sauf que ça tire un peu en longueur, du coup il était parti faire un autre truc en attendant, et puis bah en fait juste après c'était la fin. On verra. Vous allez le voir après justement. Allez, on reshuffle parce que ça valait le coup de faire un pile. T'es un peu mauvaise langue quand même. Bah non mais. Moi je pense que c'était délu, tu vois. Ah mais complètement assumé en plus. Hein. Moi j'attends les chiffres, j'attends une vraie étude scientifique, comparative. Sur le pile shuffle quand même. Ouais, c'est un grand mystère. Si vous avez des chiffres du CNRS, tout ça. Du CNRS. Je prends. Tu veux pas un truc aussi de la NASA, de l'Organisation Mondiale de la Santé? Exactement, ouais. L'OMS. Ouais. Je vois pas pour ta santé mentale. Je vois pas. Oui, ouais, voilà. Je veux dire, il fallait bien qu'il y ait un rapport. Il y a toujours un rapport. Peut-être demander à Elon Musk quand même. Ah, si SpaceX peut pas faire un petit truc là pour le pile shuffle. Ou sinon un auto-shuffleur. Ah ouais, un vrai auto-shuffleur. Non, en vrai. J'irais pas mettre mes cartes dans une machine qui pourrait. Dans un mixeur, tu sais quoi. C'est ça, oui. Dans le mixeur. Ah, c'est mélangé. Hein. Très bonne vidéo. Non, le plus drôle, c'est à la fin, il fait cut it. Ah, Maxime qui tente une stratégie de la mélanger qu'une. Qui est que la moitié. Enfin, ça c'est de la pure flemme. Hein. Oui. Mais je comprends, je le fais aussi parfois. Maxime qui décide, oh non, je prends pas de main de départ. Ah du coup on étale sur la table, on est 1-0, c'est juste qu'il y a eu une information sur l'équivalence. C'est-à-dire que en c'est fait, les mains de qui ça?
J'étais, alors c'était les mains de je sais plus comment il s'appelle. En gros, moi là sur la première partie, j'étais à côté en train de faire justement l'évaluation des cartes pour le split qui soit ouais. le plus équitable possible en fonction des après des goûts et des dégoûts des autres. Et il y avait une partie qui était commune. De toute façon, je crois que les bleus, il y en avait un pour il y avait un de chaque, okay. des deux côtés. C'est qu'on avait deux Mersou, deux Iltrop, deux machins. Ouais. J'ai jamais vu autant de bilans étalés sur la table. Et là, ils se sont mis d'accord sur le truc et il y avait un équivalent pour les non bleus justement. On n'avait pas forcément un de chaque. De mémoire, le premier avait les 10 bilans et après il y avait les bilans bleus pour le deuxième. Il y en avait quand même 4. 4 bilans bleus. Ok. Donc, ça fallait, plutôt bien. Il fallait juste répartir les 6 bilans non bleus en fait. Oui. Du premier à se partager. Parce que ça, c'était les bleus étaient en commun. Allez, on est parti. Sunken Hollow. Dépression engloutie. La dépression. J'ai fait ce week-end, je joue moi qui suis englouti. Cléomène est en phase d'organisation des championnats de France 2024. Allez. Dépression engloutie. On est parti pour 8 mois. Un beau bébé. Ah, putain, ouais, c'est une gestation. Le championnat de France, c'est une gestation, quoi. C'est une horreur. C'est la gestation pour autrui. Ouais, moi, je saurais ce que les femmes ressentent. Rien de ta foi. C'est un jour, ça m'arrive. Dit, ouais, mais moi, j'ai organisé les championnats de France. Donc, t'es fraise à 4h du matin. Faites les carrés, je pense. Bon, allez, Brian, sans fin de tour. Fait toujours plaisir. Oh, sans fèche. Oh, c'est un scandale. Non, ça va. Il a, je crois qu'il a une prismatic vista. Mais... Ah, et là, c'est dommage qu'il y a un land tap là. Parce qu'il mettait un petit orkish là. Sexe. Oh, petit orkish en brainstorm dès le T2 là. Bonjour, TA16, j'ai une 4-4. À l'aide. Vas-y, joue les vols. J'ai envie que tu pioches. Explosion de saveur. Alors, c'est bon, il n'y a pas beaucoup de terrain là dans tout ce tatatatatatatatat. Il y a un bon land incolore. Ah, ça a l'air bien. Ouais. Après, s'il y en a deux, bon, on peut patienter. Il faut espérer que la troisième ce soit un land. Oui. Après, on peut avoir un tuto, on peut avoir aussi. On a surtout Lorraine, un fetch. On peut avoir Lorraine Reveal, on a un fetch. Voilà. Il n'y avait pas Lorraine Reveal dans cette liste à ce moment-là. Ah, bah non, oui, c'est vrai que c'est arrivé à. Il l'a joué après. Non, c'était sûr. Je croyais qu'il l'a joué après. Mais non, il y avait le Seigneur des Anneaux. Lorraine Reveal, oui, le Seigneur des Anneaux. Mais je crois pas qu'il ne l'a joué pas. D'accord. La decklist est dans les commentaires de toute façon. Tout à fait. Dans la description. Qui sera correcte ce coup-ci. Je l'ai corrigé là. Quoi. Bon, parfait. Bah, je t'ai répondu tant pis pour la pré-saison parce que je ne pouvais pas. Allez, en fait, tout de suite, on se prémunit d'un Talisman. Je me suis dit, je vais sortir le chat. Ah, voilà. Le premier truc qu'il a fait en arrivant, c'est se jeter dans un carton et faire du bruit. Ah, bah oui, bah sinon c'est pas drôle. Une île de base, donc on cherche vraiment du bleu, full bleu. C'est étonnant qu'on cherche pas à aligner ses couleurs pour l'instant du côté d'Alexandre. Ça n'a pas l'air de le perturber tant que ça. Et en fin de tour, on va faire un petit scruté du côté de Maxime. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Ah non, bon. On hésite, je sais pas, il y avait peut-être une autre action, on était peut-être pas en fin de tour. Du coup, Maxime a donné une info. Mental Misstep? Ah non, c'est voilà, oui, Alexandre avait un port d'Aine. En réponse, scruté quand même. Et je vais revirer la bête parce que bon. Il faut qu'on trouve Misstep. La bête féroce. Bon, après, c'est de ma faute aussi, il faut que je range avec un chaton. Non, mais ça, c'est normal. Allez. Une au-dessus, une en dessous. Et c'est pioché. On prend la perspective des cartes. Allez, tour 3 pour Maxime. Mais voilà. Bon, déjà, on craint rien au niveau du, au niveau d'un Léovold T3 agressif. Il n'y a pas les couleurs. Bon, voilà, déjà, c'est plutôt le bon point pour Maxime. C'est pour ça que je suis même un peu surpris que cette Prismatic Vista ait été chercher une île. Parce que du vert, c'est dramatique. Du oui, noir, mais... ça peut se négocier. Mais... Il avait un objectif de. Peut-être qu'il avait line. Besoin d'un counter spell. Ou... Ah non, c'était peut-être pour pouvoir curver son double. Oh, je sais pas. Alors, en fait, je suis tout de suite aussi du côté de Maxime. Est-ce qu'on va avoir un petit T3 à proposer? Une Narset? Ah non, il la jouait pas.
Un petit hall breacher en rituel, là, comme ça, on va dire, c'est fait. Non. Simplement, on prévient des effets stifle. Alors, fetch bleu noir. Ah, du coup, on pourrait chercher. En tout cas, une deuxième couleur. Hop, qui est fait avec le filtre land. Donc, du coup, on a peut-être deux bleus. Ouais, on a mis un petit des bleus pour matérialiser qu'il reste un mana. Est-ce que on a un Breacher ou un Orkish? Il y a de l'interrogation en tout cas sur ce opt. Au final, okay. Non. Ok. Tu bluffes, Martoni. Sérieux. C'est pioché. Snapcaster et on a Deadly Relic en main. Counterspell qui était pioché. Ah, Mystic Sanctuary qui arrive tap, c'est dommage. Ouais, mais au moins c'est. On perd pas le land drop. Ah, on a Veil of Summer. Oko. Asile Rush de Guerre. Ok, donc ça c'est de l'incolore. Pour l'instant, on est théoriquement que sur une couleur. Et fin de tour, Snapcaster dans un opt. Opt. On peut peut-être scruter. On veut jouer agressif du côté de Maxime. Alors agressif, je sais pas, mais en tout cas, on essaie de creuser. On a un côté un peu proactif. Est-ce qu'on lâche un push tout de suite? Ah non, pour deux. Manderic. Oh, on va leak le Snapcaster, très bien. En vrai, c'est... On se demande si du côté d'Alexandre, qu'on aurait pu mettre simplement un push, on est en train de se dire, il est en train de creuser, il cherche des trucs, il cherche des éléments. En fait, notre push, là, enfin, il considère peut-être le push plus fort que le... Ouais, fetch push sur Airtime. Après, c'est que techniquement, le Snapcaster cantrip. C'est pour ça. Là, où, en disant, bah, pour une carte, on fait du 1 pour 1. Voilà, c'est ça. Alors que sinon, là, on faisait du 1 pour 0. Et du coup, c'était moins bien. Ah, cryptique. C'est plutôt pas mal. Spell Seeker dans la main d'Alexandre. Il y a moyen de faire des choses. Non. Laisse-le. Là, non, sincèrement, laisse-le. On va faire un caca nerveux, le chat, là. Je crois qu'on a trouvé un tombeau luxuriant, mais je suis pas sûr. Ah non. J'ai une bêtise. Et on a dit fin de tour du côté de... Et on a raté le land drop du côté d'Alexandre, par contre. Ouais. C'est pas bien. Attention. C'est pas bon pour lui. Est-ce que du côté de Grand Max, on va avoir notre land drop? Est-ce qu'on peut creuser les cartes? Il faut, parce que bon, on a besoin de dépasser notre adversaire. Et j'ai pas l'impression. On a activé l'asile de Chine de Guerre, fin de tour. Si on prend le Breacher là-dessus, on explose. Après, bon, on aurait... Orkish. Ah, Orkish, c'est déjà pas mal. Bah, ça prend push. Mais ça prend push, donc il n'y aurait qu'un seul trigger. Ça forcerait au fetch. Après, le truc, c'est que le push, on l'expose vraiment. Donc, je pense qu'on peut accepter de prendre un de plus et devoir affronter une 2-2. Ouais. Je pense que vaut mieux essayer de sécuriser en termes de mana notre push. T'imagines, le push, il se prend Mistep ou un Force Spike. Ou alors il va le considérer quand même. Je peux pas trop me permettre de prendre trop cher. Pour moi, ça me paraîtrait plus. Après, il a force of will backup, mais bon, il. Ça fait cher. Ça fait cher, quoi. Alors qu'il peut peut-être juste tourner autour d'un. D'autres choses. Je crois qu'il a un mental misstep. Gros timing là sur cette Orkish. Pas facile. Sorti de nulle part, parce que sur une simple activation, ok, push. Ah, c'est accepté du coup. Maxime dit ok tout de suite. Draw discard. Ah là, il a pas 7. Ce qui est pas ouf pour Max, parce que ça pourrait presque donner l'info qu'il a pas de quoi contrer. Après, ou alors il a pris le temps de mûrir la décision, de dire s'il le gère, je le lâche tout de suite. Ouais. Et ça peut créer justement cet effet là et dire. Je garde mes contres. J'appâte juste, même si on sait que c'est une carte clé. Pour moi, en fait, là, Maxime avait pris l'ascendant et il doit avoir un peu cette position d'agresseur. Mmh. Et ça aurait été vraiment. Enfin, Orkish marche très très bien en ce moment-là, donc essayer de le défendre, ça aurait été pas dégueu. Blue Chief qui a été discard, je crois. Ouais, ça. On a discard Spell Seeker. On a fait jouer un Blue Chief, je crois. Ponder. Là, il y a une 1-1 sur la table, elle va être tranquille à un moment, hein. C'est, je pense. Mais... Je crois qu'on se voit un fetch. Serait pas mal, hein. Ponder, fetch sur Ponder, c'est cool, parce que généralement, on n'aime pas trop avoir les 3 cartes d'un coup.
Hop. Et non, on va shuffle direct. Donc il a peut-être même pas trouvé son land. Bon, allez. Une petite île trop là. Ah bah là, ce serait vraiment le talent. Ce serait festival. Ou non, tour de commandement. Là, c'est. Île trop est même au-dessus parce que tu joues Mystic Sanctuary dans le pack. Hein. C'est vrai. Puis une source de verre, bah voilà, t'en as besoin d'une généralement, pas plus. Oui. Arcmèche Charme, j'ai l'impression. Ou Mystical peut-être. Dispute. Eh ben, on dit fin. C'est du bleu en tout cas, ou Spellsnare, ça, je sais pas. Je ne sais pas trop, on a raté le land drop du coup, encore une fois. Maxime en a raté aussi, donc on reste chargé, à un écart. On est chargé comme un dromadaire. Ah, par contre, niveau carte active, du coup, ouais, on a le land du côté de Maxime, je crois, une île de base. Ouais, ok. Hop, on la met avec sa copine. Et on va taper violemment à 1. Oui. Oui, 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 aïe, aïe, aïe. Ok, on équilibre. Ok, il a 17, Alexandre. Oh, vraiment, il n'y a pas péril en la demeure, vraiment, pour l'instant. On peut chill encore, juste attention à ne pas perdre trop de ressources en termes de land. Mais. Parce que si on commence à vouloir avoir plus le choix de bouger et qu'on n'a pas assez de ressources, on aura beau avoir 1000 cartes en main, on ne pourra pas les jouer. Malgré une curve très basse, hein, Léovold, ça joue une curve très très basse. Oui, très clairement, ça peut jouer avec Catlaner. On va Cling to Dust. On va essayer de chercher des options. On va creuser un rituel. On veut absolument notre land. Blood Shifters qui est exilé et ça pioche. Ça. Mais plutôt bien. Toujours pas de Ah land. Si Par contre, je crois que c'est Stifle. Mais non, maintenant il joue pas Stifle. Si, si, il joue Stifle. Il joue Stifle. Ah, j'avoue, il arrive pas à m'y faire. Et non. Il y a un Spell Snare par contre, j'ai l'impression. Est-ce que là, c'est pas là où tu te dis, allez, je slam un Airtail dans rien. Bah, c'est vraiment pas déconnant. Fin de tour, il discard. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'action de Maxime. Ok, toujours plus de land. Vraiment une bonne nouvelle du côté de Maxime. Alors il a très certainement moins de cartes, mais lui au moins il pourra les jouer. Ça. Et il y a peut-être au moins des piocheurs dans le tas. Ah, c'est bon, tombeau luxuriant. Ok, tombeau luxuriant va se craquer 2 points de vie. On va pouvoir jouer Magic. Mais on peut pas trop jouer sur le plan Léovold. Il y a trop de ressources en face. Ouais, à moins d'appâter, hein, tout simplement. Et puis, on peut pas jouer notre Veil of Summer à côté. On dit fin de tour. Et on va pouvoir commencer à être proactif. Déjà, on a Cling to Dust aussi au cimetière, faut pas l'oublier. Ouais. Est-ce qu'il va être agressif, justement, sur ce Cling to Dust, fin de tour? Et il y va. J'ai l'impression que c'est ça. Allez, Cling to Dust. Ah non, au final, non. Peut-être pas. Peut-être pas, ouais. On regarde quand même ce qu'il y a dans le cimetière, est-ce qu'il y a vraiment des choses impactantes à enlever. On a les deux cantrip, Snapcaster a déjà été géré, il s'est pris sa mana leak. Donc il est dans le cimetière. Dans le cimetière, normalement, on a Opt, on a Consider, on a le Snapcaster, on a peut-être un fetch qui se balade. On va retirer du rituel. Ouais, 5 cartes. 4 mana. Ça peut paraître cher, mais non, ça reste du CA. On va creuser dans des landes. Léovold interagit que très très peu avec son cimetière. Donc vraiment, les cartes dans le cimetière, c'est de la ressource. Bah, t'en as parce que t'as Threshold, t'as Takenuma, t'as tous les trucs qui delvent. Ouais, mais je pense que là, dans la situation, il s'en fiche. Là, il veut creuser. Oui. Et il a trouvé son land aussi encore, il a justement le Céphalide Coliseum. Ah non, Céphalide, ok. Ah tiens. Moult cartes en main. On peut pas vraiment slammer sous Oko parce qu'on n'a pas Alors, le summon. Bah oui, on a qu'une seule source de verre pour le coup. On discarde Stifle en fin de tour. Après, discard, on alimente le cimetière dans un sens pour qu'il oui, c'est vrai. Sachant que pour l'instant, la club, bon, bah voilà, il y a 12. Voilà, il n'y a pas de quoi s'affoler. Ah, on a Daze. Alors. T'as Sigur?
Tassigur, ouais. Ça y ressemble. Tassigur. Alors, comment on va le payer, par contre? C'est la question. Parce que justement, t'en parlais. Là, le cimetière, on serait content de le voir charger. Ce serait plus facile. Ouais. D'accord. On garde Clean to Dust. On garde que Clean to Dust. Et pour deux, du coup. Le v'là notre bloqueur autochtone en face. Ouais, hein. C'est ça. Et il est, lui, il est pas mal. Conséquent. Ouais. Alors, côté Maxime, on a un push inutile face à ta figure. Je faisais une réflexion, il y a beaucoup d'antibêtes. Les antibêtes prennent à dire 80% des créatures, et des fois, dès qu'on voit une créature un peu trop grosse, ça pourrait être une 4-4 vanilla pour 5, on dirait, merde, comment je la gère? Oui. C'est terrible dans ce format, à dire, attends, ça, je peux pas. Si est... à tous les coups, elle est artefact, et alors là, on enlève encore des antibêtes, pour à la gorge. Oui, mais tu dans gagnes, les antibêtes. Tu gagnes aussi des réponses, genre toutes les bêtes qui vont faire détruire les artefacts ciblés. Oui. Poseidon et d'autres. Ah, on va se battre sur ta figure. Hein. À moins qu'il paye du coup 6. Ah, et Veil of Summer qui répond à Loose Focus, c'est quand même un des trucs les plus abominables qui soit. Genre, ça, c'est insane. Parce que Loose Focus, c'est vraiment un contre-premium. Ah, vraiment, oui, ouais, c'est et là, bah, Veil of Summer, ça l'empale. À nouveau, Veil of Summer, carte MVP du côté d'Alexandre. Ça a dû le porter vraiment pendant longtemps, dans le week-end. La carte fait tellement de CA. En plus, si Leovold avait été sur la table, c'est double draw. Enfin, ça peut être double draw en tout cas. On regarde un peu. Okay. Alors, comment va-t-il répondre à ce Veil of Summer? On va tenter de remettre un compte sur ta figure directement, peut-être. Ouais. On va. Cryptique. Counter draw. Ça prend Daze. Hein. Bah, ça prend bien Daze. On peut même peut-être se permettre de la payer du côté d'Alexandre. Je pense que non. Ah, mais le problème, c'est qu'on a qu'un seul mana. Enfin, on a une trill qui est pas tap. C'est dommage pour lui, ça. Il a deux sources de bleu, un incolore. Peut-être que Maxime doit se dire, voilà, je m'empale, certes, mais... Un mana, Spell Pierce. Ah bah oui, Spell Pierce, marche très bien. Spell Pierce. Ouais, Maxime, là, qui... Je veux dire, c'est pénible. Ok. Oh, il a même les mains... Il l'a collé, tu vois. Il a les mains qui sont aimantées. Voilà. Il a des pouvoirs magiques. Il a des pouvoirs de magique, l'assemblée. C'est Urza. Il manipule les êtres. On a pêché notre forêt de base. Et par contre, on scoltine à une 4-5 sur la table, là. Je crois que ouais, c'est ça, c'est stat, hein, c'est 4-5. Ouais, 4-5. Bon. Est-ce qu'on slam pas un Oko là-dessus? À par-dessus, tu mets Oko? Ouais. Franchement, là, dans le setup, on pourrait presque. Enfin, tu me diras, ouais. Comme quoi, les terrains, c'est surfait. Hein. Tu joues une curve très basse, à un moment donné, tu joues tout d'un coup. Tu joues 4 power level dans le tour, voilà. L'adversaire, il plie. Hein. Au bout d'un moment, il va se calmer. Non, il va tour, on reste sage. On joue conservateur. En même temps, il y a déjà une menace sur la table. Ça va bien occuper Maxime pendant un moment. Ouais, mais deux menaces. Il y a deux menaces. Non, en vrai, c'est surtout parce que comme ça, on peut contrer Airtail éventuellement. Exactement. On peut interagir avec, en tout cas. Ce token, là, maintenant, qui se retrouve un peu petit. Airtail rituel. On dirait. Hein. On veut pas voir. Ou alors Blood Chief. Non, on a encore Blood Chief du côté de... Ou alors Deadly Relic. Ou alors on peut... Bah non, on va pas Airtail dans ce cas-là, parce que ce serait un peu dommage. Ah, je sais pas. Airtail. Ok. On pioche une carte. Ouais, ok. On fera pas. Hein. On est ok avec ça. On s'est battu avant, mais c'était un peu pour de la gratuité. Là. Ah, c'est vrai que maintenant, après une grosse bataille comme ça, généralement, tout passe. Enfin, tout passe. Oui. Peut-être pas là, tout, on va pouvoir slammer les Leovold. Et ça va être un peu la teuf. Ouais. On va slammer Leovold Oko. Amuse-toi.
peut-être même commence. Bon, on va commencer par le vol, de toute façon. Ah non, Oko direct, nature. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser, ce Deadly Relic dans la main de Maxime qui ne fera rien. Pour l'instant. Et il n'a pas la cloque, hein, même pour le gérer. Hein. Il est à 6, direct pour 3. C'est ça qui fait la force d'Oko en plus, c'est oui. Qu'il est quasiment. Il est très dur à gérer sur le board. Et on pose un Creeping Tarpit. On va dire fin de tour, je pense. Ouais. Le Breacher. Ah, fin de tour, le Breacher, ok. On propose. Là, par contre, on a la cloque. On a la cloque. Est-ce que ce le Breacher va passer normalement on ah, pas trop, hein, normalement. Ouais, bah Mystical Dispute. Mystical Dispute, oh, c'est tellement fort. C'est très très strong. En tout cas, dans ce match-up-là, dans ce genre de match-up, il a eu raison. Hein. Alexandre, il a joué un deck side, hein. C'est oui. Voilà, c'est. Il s'est dit, je vais être un bourrin contre contrôle. Eliminate. Ah, ça, c'est une très bonne réponse. Ça très bien. Et je me demande s'il n'a pas top deck. Spellsnare. Ah, bon, évidemment, si en face, Alexandre a décidé d'être désagréable. Et là, tu fetch, tu push ton airtime. Wash away. Payé à 3, ok. Mental mistake. Mental mistake. Et c'est le et c'est ça. Et oui. Là-dessus, Maxime pouvait rien faire. Et pour la petite anecdote, oui. 2-0 pour du coup Alexandre, bah, du coup, qui devient champion de France de Duel Commander 2023. Vous ne l'avez pas vu, mais ouais, qui s'est levé avec un grand soulagement. Et sur ce play-là, en gros, oui. Maxime qui en lance son showway a dit si t'as mental misstep, je te la laisse. Je te la laisse, Alexandre qui la pose. Ouais, il avait vraiment tout eu. C'était vraiment un très très beau match. Beaucoup de respect entre les deux joueurs, en tout cas, qui se serrent la main à plusieurs reprises. Un très très gros soulagement, une très grosse. Félicitations du coup à Alexandre qui n'est pas avec nous, mais du coup Maxime qui va nous rejoindre pour un petit moment d'échange. Ouais, tout à fait. Du coup pour cette finale. Donc, mais en tout cas, bah ouais, BO, moins bien que le premier, moins bien, mais ça a joué, ça. Ça reste du très très haut niveau avec des prises de décision longues, mais qui sont où on sent vraiment que ça pèse le pour et le contre. C'est est-ce que ça vaut le coup de se battre? Est-ce que ma carte a plus de valeur que ce qu'il est en train de me proposer, donc est-ce que je dois la garder pour autre chose, etc. C'est vraiment ce genre de décisions qui doivent être prises justement. C'est toute cette série de vidéos du championnat de France, je pense qu'ils peuvent être étudiés pour les joueurs qui veulent monter en compétition dans les différents formats. Oui. Ce BO est terminé, mais pas cette VOD. Et on va se retrouver tout de suite avec Maxime. Morillon, le vice-champion de France. Oui, tout à fait, le seul, l'unique surtout. Le seul et l'unique. Eh bien, allez. Eh bien, salut Maxime Morillon qui est avec nous du coup pour ce petit débrief du championnat de France, de cette finale, de cette grande finale oui. De ce championnat, de ce circuit de 2023. Salut à toi Maxime, comment vas-tu ? Eh bien, ça va bien, ça va et vous ? Ça va. Ça va très bien, merci à toi. Alors oui, comme on l'avait annoncé, Alexandre n'est pas avec nous et on l'a contacté, mais il est excusé, il a un mot. Oui. Il a un arrêt de travail. Il a trop de travail, il a dit je suis désolé les gars, je ne pourrais pas me joindre à vous. Il dit ça a arrêté avec plaisir, mais donc du coup on va être avec Maxime, du coup, qui a été vaincu du coup, en grande finale par Alexandre Haber. Alors du coup déjà, première question, qu'est-ce que ça fait pour toi d'être, entre guillemets, titré vice-champion de France Duel Commander 2023, sachant que c'était une première édition. Qu'est-ce que tu as ressenti justement à la suite de cette grande finale? Est-ce que tu étais satisfait, déçu? C'était quoi tes premières impressions, tes premiers sentiments? Pour le moment, j'étais très satisfait parce que sincèrement, je pensais difficilement passer le match win Lucas Lurus, qui était deux rondes avant. Mm-hmm. Enfin, trois rondes avant si on compte celle avec Alexandre. Donc, j'ai considéré un peu comme du bonus tout ce qui s'est passé par la suite. Et ça s'est plutôt bien passé, donc non, j'étais très content de mon résultat, complètement lessivé à la fin de ces deux jours, mais très très content. Ouais. Ce qui peut s'entendre. Comment tu as vécu ce BO en particulier, par contre, du coup, sur cette grande finale? J'ai vu que tu avais commencé à commenter le premier BO, qui t'a quand même permis d'accéder à un rematch, hein, donc, oui. Ce qui n'était pas forcément aisé, hein, Léovold versus Ertaï. On s'attend un peu à un no match parce que Léovald est quand même très très solide contre les archétypes contrôle de toute façon. Comment t'en es ressorti de ce BO, de ce double BO? Le match est d'autant plus difficile que j'avais globalement joué peut-être une ou deux fois en tout depuis que j'ai repris le DC contre Léovald. C'est vraiment pas le genre de match qu'on rencontre régulièrement. Oui. Oui. C'est vraiment imbattable dans le sens où quand tu regardes sa liste, t'as toutes les défausses, t'as le Veil, t'as la Mystical Dispute, enfin
C'est vraiment imbattable. Bon, j'ai eu la chance de prendre le premier BO. Faut se dire quand même que sur la 3, il est en mulligan 5. Oui, c'est vrai, faut le C'est rappeler. le cas que j'arrive à lui voler, donc bon. C'est dire à quel point le deck et le joueur aussi Et peuvent être encore, il y a eu match largement sur la 3, parce qu'on s'était dit Mulligan 5, ça va être une boucherie. Au final, il a eu une Non, interaction, je me souviens, effectivement, pour essayer de se tenir, et on s'est dit, attention, ça s'est pas joué c'est à pas tant fini. ça s'est pas joué à tant de temps que ça, parce que ça se joue à la cloque, si je me souviens bien. Alors, pas à la cloque, mais. Enfin, je veux dire, au PV, je veux dire. Au PV, ouais, et encore, on n'était pas loin d'un retournement, malgré Mulligan 5, on voit Oui, quand même parce la que je fais force. une subtilité pour bloquer sa Ouais. 7-7. Ouais. Là, s'il a quoi que ce soit, j'explose à ce moment-là. Donc, Oui, tout à fait. Les deux il arrive à me pop-up sur faire la 3. sauter la parallaxe. Enfin, c'était très difficile à ce moment-là, C'est un quoi. peu le drame. C'est un peu le drame. Du coup, par contre, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, en termes de tournoi, de se dire, justement, on va essayer d'élargir un peu cette journée, cette deuxième journée pour toi, d'un double bracket en top 12. Qu'est-ce que tu en as pensé, en fait, tout simplement? Est-ce que pour toi, c'était quelque chose de satisfaisant, ou c'était trop long, ou c'était justement trop de matchs, trop usant, par rapport à l'enjeu qu'il y avait au bout? Bah, j'aime bien le concept d'avoir un joker, comme tu dis, parce que c'est vrai que bon, bah, des fois, moi c'est ce qui m'est arrivé, ma première défaite justement contre le Tivit que je défais en l'équivalent de la demi-finale, enfin la En finale finale loser loser bracket, je bracket crois. du coup. Ouais. C'est le même joueur, du coup il me fait deux fois, il me prend la game deux fois tour 2 sur, comment il s'appelle, Orkish. Sur un sing twice, et en fait les deux games s'arrêtent là, j'ai pas l'anti-bet à chaque fois, et bon bah ça évite aussi de sortir du top juste sur une question de variance ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est intéressant hein, de ce point de vue-là. OK. Après bon bah c'est vrai que ni Marien, ni Alexis, ni moi s'attendaient à cette ronde le jour 2, je t'avoue que bon, Moi, après je l'avais on était... anticipé, vu que je connais le racket, mais après, ils ont été plus longs que prévu quand même en termes de timing, malgré le fait de Oui. vous avoir fait démarrer plus tôt, parce qu'on n'a pas voulu vraiment, puis surtout sur la fin, on n'a pas mis de clock, et on a voulu laisser aussi quand même une certaine latitude aux joueurs pour pouvoir souffler. Il y avait des temps d'attente, parce que le bracket du winner bracket va plus vite que le loser bracket, donc même en démarrant à 9h30, du coup, on a poussé quand même assez tard, mine de rien, en plus avec un rematch. Non Donc mais du c'est coup. très bien de souffler entre les rondes, surtout là, c'est, enfin, tu ressens beaucoup la pression entre les rondes du jour 2 par rapport à l'intervalle entre les rondes du jour 1, c'est vraiment très différent à ce niveau-là. T'étais content de sortir 5 minutes, de parler un peu de ce qui vient de se passer, et puis de pouvoir reprendre un peu plus tranquille. Ouais, ça Donc. je peux l'entendre. On va élargir du coup jour 1. C'est vrai qu'on vous avait demandé énormément d'efforts, 9 rondes sèches pour sortir un top 12. Des retards, hein, ça je les prends pour moi, sur de la gestion, sur un logiciel aussi, de la saisie des scores, c'est surtout ça qui a pêché. On est en recherche de solutions pour plus stable. Pareil, est-ce que toi, t'as senti, alors toi tu faisais partie des élus dans le top 12, mais est-ce que tu as ressenti t'aurais ressenti une frustration de te dire, bah, j'ai pas de jour 2 entre guillemets, sachant qu'en fait, bah, officiellement, il n'y avait pas de jour 2. Ça n'existait pas en fait dans le championnat. Par rapport à d'autres tournois où on a un jour 1, un cut, puis un jour 2, puis un top 8, on va dire plus classique, est-ce que ça t'as ressenti une différence nette, où au final t'as fait ton tournoi, bah, sans objectif de me dire, bah, faut que je sois dans le top 32 et donc du coup je peux temporiser, ou t'as préféré peut-être ce côté vraiment ultra compétitif, et total en fait? Moi, en ce qui concerne le jour 1, j'ai pas vu de différence avec d'autres tournois. Bon, 9 rondes c'est beaucoup, mais si tu veux, c'est toujours le même principe. T'as pas le droit à deux défaites. Tu vas jusqu'au bout et t'espères avoir le luxe de pouvoir faire draw à la dernière ronde. Ça a Mais été ton cas la ou pas grosse d'ailleurs de différence. pouvoir faire draw à la dernière ronde? De quoi, pardon? Est-ce que ça a été ton cas de pouvoir faire draw justement à la dernière ronde? Oui, Je sais, je suis ouais. arrivé à une défaite. Je suis arrivé à une défaite ouais, sur la dernière ronde. Ok, je te Donc laisse j'ai pu faire poursuivre sur le draw. sur. Je te laisse poursuivre, excuse-moi, je t'ai coupé pour le jour 1. Ouais non, donc toi pour le jour 1, ça m'a pas beaucoup changé d'autres tournois, c'est un peu plus long évidemment, puis bon, il y a eu des latences de temps en temps, mais donc ça a allongé la journée. Mais bon, c'est pas très différent. Non, la grosse différence, c'est vraiment le jour 2, c'est la façon dont ça s'est fait. Pas en mal, hein, c'est juste différent d'un Bah top 8 c'était, je pense que classique personne ou... n'avait vécu ça. Pourtant, des joueurs d'expérience qui nous ont dit avec les arbitres, ouais, j'ai regardé le bracket, je l'ai vu, mais j'ai pas compris. Donc du coup, ils ont découvert au fur et à mesure comment ça se passait, où est-ce qu'ils étaient placés dans le bracket. Ça, c'est une part de pédagogie que je dois faire, parce que moi ce que je voulais, je pense qu'il n'y a pas plus frustrant que de se dire, bah, j'ai mon mauvais match-up, je suis sorti du tournoi sur un top 8. Alors même si on aurait pu prendre un schéma classique jour 2 plus top 8 élimination directe.
J'aime bien le double bracket. Nous, on l'avait fait déjà sur la Corner League. League, oui. Ouais, tout à fait. On avait un grand tableau, même à 64 en double bracket. J'aime bien aussi. Le seul truc, bon, forcément, après, c'est l'expérience personnelle. Je me serais bien passé d'un rematch contre la même personne juste après, mais bon, c'est comme ça. Ça, tout le monde a le droit. C'est le lot des gagnants. Hein. Oui, ouais, non, mais bien sûr. Ça, c'est sûr. Mais bon, là, sur le moment, là, ça commençait à être très éreintant sur 2 jours. Bah oui, c'est ça. En fait, c'était, bah, pour le coup, c'était une vision, une volonté de ma part de me dire je veux que le champion de France, le ou la championne de France, entre guillemets, ouais, soit épuisé à la fin. C'était un peu vraiment une volonté de se dire je veux que ce soit une course d'endurance. C'est pas je fais une journée et à la fin, et en fait, je suis arrivé à l'état, je vous ai vu, hein, je vous ai observé, vous étiez pas loin de mon état, mais juste en tant que joueur, de me dire. Ouais, ils ont été la chercher. C'était vraiment une volonté d'avoir un peu, ouais, cette espèce de côté satisfaisant, même de se dire, je suis claqué, mais je sais pourquoi. Vraiment, mais tu as eu Alexandre, lui, il a été un peu plus lesté que toi, Max, parce qu'il a gagné tous ses matchs. Délesté, justement, il avait moins de charge. Ouais, voilà, il a été délesté, pardon. Parce qu'il avait gagné tous ses matchs pendant le bracket. Et il a eu besoin de refaire qu'un rematch, bah, que contre toi, sinon il a eu peut-être 2-3 matchs en moins que toi. Il a joué du coup son match préliminaire, on va dire, parce que je voulais faire une sorte de match de barrage, quart de finale, demi-finale, grande finale, donc du coup rematch. Alexandre Haber a joué 5 rondes du coup le jour 2. Tandis que toi t'en as joué 7. Le top 12, oui. Est-ce que t'as senti cette différence, ne serait-ce qu'en arrivant sur la table, de voir peut-être Alexandre plus frais ou pas du tout? Ah bah c'est sûr, Alexandre il était... Mais bon, après, c'est Alexandre aussi. Hein, ouais, il a une endurance. Il était frais, et aussi après le rematch, donc c'était vraiment... Ouais, bon, moi je l'ai ressenti arriver devant Alexandre, que ça commençait à tirer un peu, quoi. Ouais. C'est-à-dire que t'aurais pas été, entre guillemets, surpris et peut-être même pas déçu de perdre dès le premier BO, en fait. Moi, ça me rappelle aussi un truc que tu m'avais dit une fois, mais oui, je voulais y venir. Tu jouais Denik et tu avais tagué Jules qui jouait Grist à un Prime Event. Et Grist arrivait vraiment tout juste dans le format, enfin, du moins, Jules avait commencé à vraiment perfer avec le deck à ce moment-là. Et du coup, tu m'avais dit, parce que je crois que je t'hébergeais pendant cet événement-là, et tu disais que toi, de toute façon, quand tu allais en tournoi, ton objectif c'était toujours minimum deuxième. Et après, oui, mais en fait, c'est toujours le cas. Mais le truc, c'est que je pense qu'on n'est pas beaucoup à partager ce point de vue. Bon, après, j'ai beaucoup d'années de Magic dans les pattes. Et donc, bon, maintenant, être premier, c'est pas quelque chose qui m'intéresse outre mesure, si tu vois ce que je veux dire. Mais... voilà, la finale, c'est vraiment un objectif. Le top 8, dans un premier temps, il faut faire par étapes, de toute façon. Mmh. Et une fois que tu es dans le top 8, et ensuite, finale, c'est vraiment grandiose. Bon, là, pour refaire les choses, en fait, de gagner le premier BO contre Alexandre, ça m'a permis quelque chose de concret quand même, ça m'a permis de splitter les lots. Oui, alors, c'est technique, c'est une question d'argent, mais bon, quand on est à ce niveau-là de compétition, y a quand même, c'est quand même important. Et en fait, pour moi, vraiment, j'avais fait tous les objectifs à partir du moment où je gagne le premier BO. Alors, ça voulait pas dire que j'ai rien fait pour essayer de gagner ce titre, hein. Mais bon, voilà, disons que je suis peut-être moins déçu que quelqu'un qui veut absolument être premier ou quelque chose comme ça. Et tu dis justement que ton objectif, c'est pas forcément tant de gagner les tournois. Du coup, quand tu vas dans un tournoi, alors je pense que t'as un état d'esprit compétiteur, mais avec l'expérience, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que t'attends en fait d'une journée de tournoi en termes d'état d'esprit de ta part? Bah, de toute façon, moi, le premier objectif, c'est toujours la même chose. C'est je revois les personnes que j'aime. C'est toujours comme ça qu'on commence, qu'on organise un tournoi. Et qu'on commence. Je reviens. Ça, c'est rare. Hein. C'est arrivé une fois, je crois. À Châteauroux, où je suis venu complètement seul, c'était quand tu faisais des doubles week-ends. Ouais. Mais ouais. Sinon, je reviens toujours avec des personnes que je connais, Marien en particulier, Alexis souvent, aussi. Ouais. Et puis, voilà, c'est l'objectif numéro un. De toute façon, c'est le principe de Magic, hein, c'est de créer une communauté. Oui. En termes de tournois, de compétition, moi, mon objectif, c'est le top 8. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Je pense que Marien, ça doit être un peu comme ça aussi. Je pense que c'est la majorité des joueurs. Il y a un côté, voilà, bah, achievement, ouais. C'est tu fais par étape, tu peux pas commencer par vouloir gagner le tournoi si t'as pas déjà assuré le top 8 derrière, donc c'est pour ça qu'il y a des calculs, et c'est pour ça qu'il y aura toujours des calculs, je pense, sur ces dernières rondes, malgré le fait qu'on souhaite pas forcément les voir. Bon.
voilà, y a des tops. Et... ce sont des démarches qui sont légales, qui, si elles sont de façon définie au début du tournoi, bon, bah, faut s'en accommoder. Là, il y a eu, je sais plus, je crois qu'il y avait eu 4 tables quand même qui ont fait draw parce qu'elles savaient qu'elles étaient dedans et ça jouait quand même. Tu regardes au Worlds, là, il y a eu un des joueurs français qui arrive 9e parce que l'outil qui servait à faire les. À calculer, je crois, il y a eu une espèce de truc qui n'allait pas très bien dans le calcul de stats et du coup, il n'est pas passé à cause de ça, entre guillemets. Donc ça c'est oui ça c'est rageant hein, ça je veux bien le comprendre ouais. Ça, c'est après il faut bien faire ses calculs aussi c'est voilà, c'est un autre problème. Faut pas faire une case à grande aussi par exemple. entre autres voilà. On va élargir encore un peu plus, on va continuer à dézoomer avec toi. On a fait le cœur de la finale, on a fait un peu le tournoi. Alors si c'est vrai qu'on va dézoomer un peu, on va rester sur ce week-end du championnat de France. T'as participé au trophée des champions si je me trompe pas, je crois. Non, j'étais, parlé, moi j'ai eu de la chance parce que j'ai pas pu beaucoup jouer en début d'année. D'accord. J'étais sur d'autres trucs perso. Mm-hmm. Et j'ai fait 2 tournois, je crois, avant de tout 2023, avant le championnat de France. Et moi j'ai eu de la chance parce que c'est à un moment donné où les places coulaient, je me suis retrouvé 11e, mais il y avait déjà 3 qualifiés, et puis bah, ça a coulé pile sur moi pour pouvoir être qualifié. Donc bon, je suis un peu passé par la fenêtre à ce niveau-là. Au niveau il est arrivé par la petite porte, mais il ressort par la voilà. Grande. Ouais, c'est ça. Mais bon, j'espère que ça va me qualifier d'ailleurs d'être demi-finaliste. T'es qualifié, le top 12 est N+1 déjà. Donc, ah bah super, bon. Nickel. Bah non, mais vraiment, de toute façon, ça s'était déjà annoncé avant. Dans le mec, il est refait parce qu'il peut même, il a même pas besoin de les faire. Ah là, tu peux être tranquille. Non, mais je fais des tournois au contraire. T'attends début juillet 2024 et c'est bon. Là, tu peux faire tes tournois sans pression, il n'y a pas d'objectif. Et justement, tiens, ton état d'esprit, parce que j'ai eu un échange avec Kelly Gmaz, hein, de la team Piloufas, qui a eu un état d'esprit complètement différent dans son approche de tournoi. Dire, bah, avant ma qualif, j'y allais vraiment dans l'objectif de gagner, parce que je voulais absolument cette qualif. Et une fois qu'il l'a eu, bah, il a retrouvé son mood, on va dire, classique de bah, je fais un tournoi pour voir les copains, pour me détendre. Est-ce que toi aussi, tu l'as ressenti aussi, dire, il y a un objectif en plus que qui dépasse un peu le tournoi du jour? Ah oui, en fait, il faut pas considérer le championnat de France comme tous les autres tournois que tu fais dans l'année. Je pense que ce que tu viens de dire, c'est pas dissocié. C'est-à-dire que tu seras toujours avec tes potes, tu seras toujours venu pour jouer. Mm. Mais en fait, à chaque game, tu veux bien jouer pour gagner. Enfin, ça me paraît indissociable, en fait. Tu viens pas là en disant, bon, je vais mal jouer, puis je vais pas m'améliorer. Ouais. Enfin, c'est indispensable de s'améliorer avec le temps. C'est comme ça aussi que tu as une gratification personnelle. Ouais, ce que lui disait, justement, ce qu'il ressentait, c'est que là, par contre, il était vraiment... j'ai besoin. J'ai un besoin de gagner parce que c'est pas... j'ai raté un tournoi, c'est pas grave. C'est bah, une espèce de compte à rebours de se dire, si je veux faire participer à cet événement, à chaque fois que je grille un joker, je grille un tournoi, une chance de me qualifier. Et je pense que c'est un peu dur aussi sur le côté où tu as... si jamais tu fais plusieurs tournois que tu loupes ta qualif, genre c'est assez frustrant, je pense, et aussi la pression monte parce que c'est un peu comme quand tu dois faire un truc qui te fait peur ou autre, genre tes premières actions dans un job ou un truc comme ça. En fait, plus tu vas patienter, plus ça va être difficile, donc autant essayer de se lancer rapidement et la pression descend beaucoup plus vite. Et là, c'est un peu dans le même truc, j'ai l'impression, où genre plus tu vas attendre, plus ça va être plus tu sens que la deadline elle approche. Et là, pourtant, il me semble qu'il y a un joueur qui a fait top 12 en étant qualifié au last chance. Il me semble qu'il y en a au moins un. Ouais, parce que je crois que c'était simplement, il n'avait pas pu faire de qualifieur avant. Et il s'est dit, il y a la seule occasion, c'est de faire les last chance. Et c'est passé comme ça. Et du coup, derrière, top 12. Moi, en fait, c'est ce que j'aimais bien, parce qu'il y a eu pas mal de manières de se qualifier. Il y a eu quand même beaucoup de monde de qualifier. Certains ont dit trop, d'autres ils ont dit c'était trop fermé, alors que pourtant je pense qu'il y avait même trop de personnes qualifiées. Ça fait partie des choses qui vont être un peu redéfinies pour l'année prochaine. Je dis pas énormément, mais on devrait s'orienter autour de quand même 400 qualifiés, mais pas plus. Je devrais pas avoir ça. Pas avoir plus. Le système de qualification qui va être un peu modifié, les CR seront plus généreux. Pas sur l'instant T, mais il y aura des repêchages issus des CR. On veut mettre ça en place pour. On a fait le calcul, on a fait de l'observation par rapport au circuit. On va élargir Là, ta matière à. Entre les CR et les Open, où normalement l'objectif principal c'est de mettre en avant les CR, et au final c'est les Open qui ont apporté plus de qualifiés, parce qu'il y en a eu énormément. Il y a eu 76 Open qualifieurs pour 19 championnats régionaux qui ont apporté 156 autour de ça qualifiés, là où les Open en ont apporté plus de 200. Mais ça, c'est ce dont tu parles, c'est une vraie raison pour répondre à la question d'avant, sur le fait de considérer ce genre de tournoi avec plus de sérieux.
Parce que pour les vieux de la vieille comme moi qui ont connu le système des France, c'est la première fois que j'ai un équivalent, bon c'est en duel commander, mais tout de même, un équivalent à ça, c'est-à-dire que, où tu as une vraie compétition et tu as vraiment une clé pour te faire qualifier. Bon, il n'y a pas d'autre étape derrière, mais c'est déjà suffisant pour retrouver un peu ce goût-là. Ouais, et puis le format n'a jamais été aussi actif depuis qu'il y a eu ce circuit qui s'est mis en place. En fait, ça a vraiment motivé beaucoup de monde à organiser des tournois, qu'ils soient de taille moyenne ou grande, et même des petits. Et c'est quand même un truc qui était... Moi, je mettrais un bémol là-dessus, et pourtant, ça reste mon circuit, mais je mettrais un bémol sur le côté, ça n'a jamais été aussi actif. Je pense simplement que les tournois qui ont été affiliés auraient eu lieu quoi qu'il arrive. Oui. Ah oui, mais pas avec la même fréquentation. Je ne suis pas sûr que ça ait rajouté tant de tournois que ça. Mais je pense que ça a changé la fréquentation. Oui, on plus a de visibilité déjà. Oui, voilà. On a changé les chiffres. Ça a peut-être créé un engouement au niveau des personnes qui voulaient participer à ces tournois-là et que ça en a amené d'autres. Et on l'a vu, hein, des joueurs comme Oni qui se sont déplacés à des endroits où je pense qu'ils n'y seraient pas allés s'il n'y avait pas eu cette espèce de, on va dire, de tampon certification France. Ouais, et puis même en fait... Et ça, c'était un des objectifs aussi. Il y a eu beaucoup d'associations ou autres, par exemple, qui ont réussi à émerger, enfin à exister, on va dire, via rien que le fait sur le site, c'était marqué telle région, il y a tel endroit. Ça donnait, enfin tout cet aspect visibilité, ça a permis vraiment de créer un engouement. Pour faire le grand écart, il y a deux petites assos qui ont démarré avec le championnat de France. Oui. On a la guilde Oro en PACA, qui était très satisfaite d'avoir cette espèce de rampe de lancement. Et idem, c'était pas Nord-Pas-de-Calais, c'était juste à côté, Picardie. Picardie, qui même eux au départ voulaient refuser parce que pas parce qu'ils aimaient pas le projet, mais qu'ils se sentaient pas capables de le porter, le championnat régional. Et au final, ça c'était un des objectifs, de mettre en avant des associations, de mettre en avant des endroits et de pousser les gens en fait à se déplacer, de créer justement de l'engouement et de l'intérêt à la fois pour le format, pour le compétitif aussi, de se dire, on a des joueurs qui ont dit, c'était mon premier tournoi. Le tout premier tournoi qu'ils faisaient, ça les intéressait pas. Ils se sont dit, ah tiens, il y a un truc. Ils se sont sentis, en fait, s'inscrire dans quelque chose. En fait, qui dépassait simplement un tournoi boutique ou un tournoi associatif. Je m'inscris, au-delà du goodies, d'ailleurs, mais je m'inscris dans un truc qui dépasse un peu la simple journée. Ouais. On a tous commencé comme ça, à sauter la marche une première fois parce qu'il y avait un peu plus que ce qu'on fait d'habitude, quoi. C'est ça. Même s'ils savaient qu'ils n'avaient aucun espoir de gagner, mais ils ont dit, tiens, c'est un truc où il y aura peut-être... une ambiance, Et puis Magic, ça, c'est quand même un des rares jeux, je trouve, qui te donne accès autant en fait à de potentiels amis en fait. Bien sûr. Où que t'ailles à peu près en France, tu peux trouver un endroit où les gens ils vont jouer à Magic et tu vas te faire des potes très très vite. Et souvent, ils ont pas mal de centres d'intérêt communs. Maintenant, avec les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Et puis tu peux arriver sans connaître personne dans un tournoi et tu vas forcément interagir avec des gens. Hormis si tu te mets tout seul dans un coin et que tu. À part si tu joues Mana Rouge. Oui. Oui. Tu joues tout seul. Tu rigoles, mais moi j'ai vu l'ascension de. Enfin, la progression en tout cas de Damien, parce qu'il y a 2 ans, quand je venais juste de reprendre le DC, je l'ai croisé déjà à l'époque, et quand je vois aujourd'hui qu'il fait top 4, si je ne dis pas de bêtises, il est 4e. Oui, c'est ça, top 4e. C'est ça en fait, les jeunes qui rentrent enfin dans les tournois, puis il y en a certains qui explosent derrière. Quoi. C'est comme ça que ça fonctionne à Magic. J'avais dit à Damien, pas trop déçu d'être au pied du podium, je pense que la 4e place, il la prend quand même. Oui, bien sûr. Donc du coup tes objectifs pour l'année prochaine du coup Maxime Du coup pas me qualifier puisque c'est fait faire finale je vais essayer de faire un peu plus de tournois déjà que l'année passée 2023 c'est pas terminé mais j'en aurais pas fait plus de 10 je vais essayer d'en faire un peu plus et puis évidemment rendez-vous au championnat de France de l'année prochaine Alors il n'y a pas les dates mais en discussion, c'est en train de tout se faire et tout, donc il n'y aura pas de souci avec ça. Évidemment, le championnat 2024 aura lieu. Sous quelle forme, avec le système de qualification qui aura été modifié. Alors, ce ne sera pas une révolution, vous inquiétez pas, mais il y aura toujours des CR, il y aura toujours des Open, il y aura... Mais vu que toi, tu n'aimes pas rester sur des choses... Il faut que je bouge, sinon je m'ennuie. C'est ça. Voilà, il y aura des modifications, il y aura de l'international, et peut-être qu'un jour, justement, comme le disait Maxime, il y a pas d'étape après, pour l'instant on est que sur 2 crans, une qualif, même si on a différentes manières de se qualifier,
Il y aura toujours les challengers aussi pour les tournois non affiliés. Donc là, on est en train de regarder les vainqueurs du FACT, ce qui va venir, le vainqueur des Relic Fest, qui vont être qualifiés naturellement, parce que la perf est quand même au-dessus de, oui, de n'importe quel tournoi. Voilà, c'est un plus de 100. Même si les plus de 100 commencent à se multiplier, quand même. Oui, oui, mais ça, bon, le format vit bien, on va dire. Oui, tout à fait. Bah, et surtout, il est en train de croître aussi beaucoup à l'international. Donc ça, c'est un truc ça aussi, fait très plaisir. On va essayer de le développer dans d'autres pays où il n'est pas encore installé, et pourquoi pas réunifier aussi le format au niveau européen. Ça, c'est un L'Italie, déjà, un petit objectif secret que j'aimerais, mais dire réunifier le format et pourquoi pas proposer une étape supérieure au championnat de France, mais un championnat d'Europe. C'est européen plutôt. Ouais, un championnat d'Europe, ou même pourquoi pas un championnat, en tout cas international, parce qu'on sait qu'il y a une communauté qui joue beaucoup aussi au Brésil, aux Philippines, en Chine, etc. Et en Europe, il y a tout ce qui est République tchèque, Allemagne, Espagne, non. Italie, du coup, ça reviendrait. Espagne, pourtant, il y a eu un Open quand même l'année dernière. Oui, tu vois, ça... Espagne, un peu... c'est un peu plus. Peu moins. Il y a eu deux Open en Belgique, il y a eu déjà l'année dernière. Donc, il y a moyen d'ouvrir des slots aussi qualificatifs spéciales pour, on va dire, Et comme je le dis, c'est un championnat de France, c'est pas un championnat des Français. Ouais. Un Danois était présent au championnat de France, donc du coup, il n'y a pas de raison. On avait notre Belge préféré. Mais le. J'avais quelqu'un qui parlait anglais aussi. Il y avait un joueur danois qui, lui, s'était qualifié via justement l'Open qualifier des Chroniques du Commandeur. Il avait remporté l'Open qualifier. Est-ce que c'était pas le Danois qui avait gagné le Zap à Inala? Je sais pas, ça par contre, je pourrais pas dire. C'est une bonne question. Je sais plus si c'était un Danois ou un. Non, parce qu'il avait dit justement que c'était la première fois qu'il venait en France. En d'accord. Même temps. Donc, c'était un moyen de découvrir la France. Je dois confondre. Et puis, on a la Réunion actuellement qui joue pour 2024, déjà depuis le début d'année. J'ai croisé un Réunionnais au FACT, big up à lui si jamais il nous entend. Ils ont leur propre circuit, puis on l'a greffé au championnat de France. Donc, du coup, ils jouent toute l'année, eux. C'est un championnat sur l'année. Et du coup, on verra combien on en qualifie à la cible de la fin de l'année. Ça va dépendre du nombre de joueurs uniques. Ils sont sur le système Open. De l'année qui s'est écoulée, mais du coup je leur change pas les règles en cours de route. Et on devrait avoir, je pense qu'on devrait avoir 8 joueurs de la Réunion qualifiés, après à savoir comment ils vont se déplacer. Ils ont dit qu'ils allaient pousser parce qu'ils ont des sponsors, ils sont mieux structurés que nous qu'en métropole par rapport à nous. C'est ça. Voilà. En tout cas, merci Maxime de tous tes retours, merci de ton implication dans le format, mine de rien, même dans l'ombre, tu fais partie des gens qui ont une influence, qui ont une voix, qui ont voix au chapitre clairement. S'ils ne sont pas au comité, ils le sont quand même dans notre cœur. Voilà, mais en plus, de toute façon, Maxime, on peut pas le rater. Vu la taille qu'il fait à peu près 2m40. C'est ça. Merci à toi. J'espère qu'on se recroisera très vite. Est-ce que tu as des choses aussi que un dernier mot. On te laisse le dernier mot. J'en profite pour vous reféliciter parce que. On a beau dire qu'il y a eu d'autres événements, ça reste le plus grand événement de Duel Commander et c'est pas rien, c'est vraiment pas rien à organiser, c'est vraiment pas rien à réussir à faire aboutir, donc encore félicitations pour tout ça et puis à bientôt bien sûr sur Any Tournoi qu'on pourra trouver. Okay. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Merci à vous YouTube, on se retrouve sur la prochaine VOD. De l'exclusif maintenant, voilà, on a fini le championnat de France. Ouais. Donc ce sera de la nouveauté, du nouveau méta. En plus, au moment où on enregistre, normalement, on est jour de banlist. Oui. Donc voilà, la nouvelle banlist est tombée. C'est vrai. Tout à fait. Au moment où la vidéo va sortir, la banlist sera tombée. Moi, je vois un autre change. Voilà. Ouais, pareil. Rétroactif, mettez dans les commentaires si là, c'était planté. Là, ce week-end, c'est record du coup à Saint-Ibar. On sera à Saint-Ibar, ouais. Et moi, ce sera à jouer Teferi. Espérons que Haïtaï ne soit pas rebanni. Et moi, je serai la buvette. Voilà. Non. Peut-être Bridge, on sait jamais. Voilà. Comme ça, sorti de nulle part. Peut-être. Merci à toi, Maxime. Et à tous. Bye bye. À la prochaine YouTube.